Oh putain! On va tenter de... J'allais dire, on va tenter de lire les livres, mais ça risque d'être compliqué. Ce livre a l'air ancien, toutes les pages sont déchirées, je peux à peine lire le texte. En cherchant à créer une voie plus parfaite, des règles doivent être suivies et des règles doivent être respectées. Des mesures seront prises rapidement et à la vue de tout contre... Attendez. Et à la vue de tous contre tout membre qui ignore cet ordre. Ceci assurera une prospérité constante. Il est cependant impératif que le maître d'armes ne renonce pas à la responsabilité de représenter ce pouvoir jusqu'au dernier jour de cette vie. Au nom de Dieu, qu'il en soit ainsi. Ce livre a l'air ancien, toutes les pages sont déchirées, je peux à peine lire le texte. La vérité des anciens croyants... Bon, attendez, écoutez, ça me saoule. Je vais leur mettre leur race. J'ai pas spécialement envie, mais... On va quand même faire ça. Putain, mais... Pourquoi il fait pas de combo, lui? Putain, mais attaque-les, bordel! Ah la vache! Pourquoi il me pas... Normalement il est supposé faire 3 coups rapides. Comme ça, pourquoi il les faisait pas? J'ai pas compris pourquoi il les faisait pas. Putain la vache, c'est ouf! Ah mais en fait c'est cette putain de racine de merde! Oh bordel! Ce jeu est vraiment de pire en pire. Hein. Bon, ok, on va peut-être pouvoir lire les trucs. Dans quel ordre ça se lit? On va les lire comme ça. Pour poursuivre sur le chemin que nous avons préparé devant nous, il est vital que les gens se souviennent du chemin parcouru. Nous devons continuellement fournir et... Attendez. Nous devons continuellement fournir, mettre à jour et nourrir des rapports précis du passé qui ne peuvent être contestés par des étrangers. Une fois que la tradition a été transmise, le gardien s'enfermera dans un sanctuaire, non corrompu. Il y apprendra l'histoire des fondateurs, au nom de Dieu, qu'il en soit ainsi. On va peut-être lire en fait celui qui est à côté aussi. En défense des principes, il est nécessaire qu'une personne préside au jugement de tout membre qui a quitté le chemin. Ces jugements doivent se baser sur une compréhension totale des lois établies et ne doivent être exécutés sans préjudice. Non, ils doivent être exécutés sans préjudice. L'exécuteur de la loi ne doit pas renoncer à la responsabilité de représenter ce pouvoir. Il doit faire le serment devant une tribune publique de soutenir les idéaux du livre. Au nom de Dieu, qu'il en soit ainsi. Alors attendez 2 secondes, on a plusieurs choses là déjà qui sont exprimées là-dedans. On parle de... Ça parle de juge là, de jugement. Défense des principes. Donc l'exécuteur de la loi. Là on parle de quoi? La tradition. Le gardien s'enfermera dans un sanctuaire non corrompu. Il y apprendra l'histoire des fondateurs. Le gardien, c'est qui le gardien? Alors, je voulais pas regarder ça tout de suite. Mais pourquoi pas? Et voilà, on a la dague de cérémonie qui joue le rôle de poignée également. Donc un couteau plus puissant et qui va jouer le rôle de poignée pour ouvrir certaines portes.
Donc comme je vous ai dit, voilà, on a des armes qui se remplacent peu à peu. Donc on a eu le pied de biche et le couteau qui ont été remplacés. Et alors du coup, attendez, il reste combien de livres à lire? Il reste ces deux-là du fond. Hein. Tiens, bah là, il y a déjà une porte qu'il va falloir qu'on ouvre. Alors ça, c'est celle qu'on a eue déjà. En cherchant à créer une voie plus parfaite, des règles doivent être suivies. Et des règles doivent... Attendez, et des règles doivent être respectées. Des mesures sont prises rapidement et à la vue de tous contre tout membre qui ignore cet ordre, ceci assurera une prospérité constante. Il est cependant impératif que le maître d'armes ne renonce pas à la responsabilité de représenter ce pouvoir jusqu'au dernier. Le jour... Le dernier jour de cette vie, au nom de Dieu, qui en soit ainsi d'accord. Donc il y a 4 livres, 4 fondateurs. Bon, vous voyez où le truc va en venir. On a le gardien, alors je sais pas qui est le gardien. On a le représentant de la loi, qui est donc... qui se manifeste par l'existence par l'héritage des Holloway, puisque c'est la juge Holloway, hein, qui est la gardienne du coup des principes. Le maître d'armes. Alors le maître d'armes, on va bien voir qui c'est. Alors... Ici, c'est la vérité des anciens croyants n'étant plus, il est essentiel qu'une personne maintienne et effectue des rites sectaires modernes que nous avons éloignement peiné à créer et protéger. Après avoir pris les rênes de ce poste, l'exécutant des rites fera un pèlerinage aux frontières de la région abandonnée pour se purifier des péchés du passé. Il y implore... Putain, j'ai du mal à lire. Hein. Il y implorera le pardon et la compréhension des ancêtres au nom de Dieu qu'il en soit ainsi. Alors, l'exécutant des rites, est-ce que ce serait pas le docteur, du coup? Je ne sais pas trop. Le maître d'armes, c'est les Shepherd, puisque bon, bah, notre ami, bon, il serait peut-être temps un petit peu de le dire, parce que je pense que vous l'avez quand même deviné, donc je vais le dire, même si ça n'a pas été complètement explicité dans le jeu, on a eu suffisamment d'indices, mais l'ami Shepherd, Alex Shepherd, est un descendant du coup des fondateurs, des 4 fondateurs de la ville, hein, que sont les Shepherd, les Holloway, les Bartlett et les Fitch. Et donc du coup, on a, j'imagine... Le gardien des... Attendez, c'est quoi ça? Non, c'est les principes, ça. Et donc le gardien, ça doit être, du coup... Le gardien s'enfermera dans un sanctuaire non corrompu. Je pense que c'est le maire, tout simplement, ça. Puisque, bon, bah, enfin, je me permets de le dire maintenant, mais c'est vrai qu'on a vu, juste avant, dans un des bureaux, le portrait des Shepherd qui a été décroché, hein, qui est un des 4 fondateurs. Et d'ailleurs, je l'ai volontairement pas fait, mais en fait, devant l'hôtel de ville, on le verra peut-être en sortant, si je me fais pas gangbanger par des monstres, mais il y a une espèce de statue, avec 4 faces, et sur 4 faces, sur chacune des faces, sont mentionnés le nom des fondateurs. J'ai pas voulu c'est quelque chose qu'on peut... examiner dès le début du jeu, hein, juste après le niveau de l'hôpital, juste après le tout début du jeu. Mais je me suis dit que c'était peut-être un petit peu trop rapide. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Là, rien du tout. Et là, bah là, rien. Et de ce côté-là... J'entends des grognements, mais je pense que depuis tout à l'heure, je pense que c'est les smogs qui est là-haut, là, que j'ai pas buté. Il y en a 2, en fait. Hein. Il y en a un qui se balade dans les couloirs, et un autre qui est dans la salle, à côté de la salle de sauvegarde. Je les ai volontairement pas tués, parce qu'ils sont facilement évitables, et puis j'ai pas envie de gaspiller de balles. Même si on va en récupérer d'autres des balles. Hein. J'ai pas envie de perdre de temps surtout, au final. Et là, on est où? Alors, une échelle qui monte. Il y en a une autre qui descend, mais non, qui est fermée. Ok, le passage est fermé. Et ici... Eh ben, une machine à écrire. Qu'est-ce qu'ils y foutaient dans cet endroit-là? Et ça, je sais absolument plus où ça va me faire remonter. Je me demande si... Ah, j'ai une petite idée d'où ça va nous ramener, ça.
C'est bien ce qui me semblait. Dans le cimetière. Je me disais qu'on pouvait retourner dans le cimetière à un moment ou à un autre, mais c'est juste qu'on doit y retourner. Intéressant. C'est marqué quoi? Don't let the... De ce mot... Je sais pas quoi. Get you. Ne laisse pas le quelque chose t'avoir. On dirait qu'il y a un monstre sous terre, avec des cadavres à côté. Qui fait peut-être bouger les... C'est bizarre. Qui a l'air de capturer les enfants depuis le parc. Et nous revoici dans le cimetière, donc. Alors, par où on va, je ne sais plus, par contre. Hein. Alors, il faut qu'on sorte. Il faut qu'on ressorte. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on se repasse tout, qu'on se retape tout le bordel, hein, c'est-à-dire de là. Qu'on passe là, là, tout là, tac. Qu'on fasse tous les l'enchevêtrement pardon de tombe, qu'on retourne là, là, là. Et jusqu'à... Bah jusqu'à la maison, en fait, hein. De mes souvenirs, il devrait pas y avoir trop d'ennemis. Ah bah si. J'en entends un. Et je le vois d'ici, je crois. J'ai l'impression de voir une paire de jambes, là. Ou c'est moi. Bon. Je vais changer d'arme, on va reprendre le... Ah, quoi que, je vais garder la dague. Ah putain, merde! C'est sérieux, là? Je vais devoir les buter, eux. Par contre, ça va être compliqué là. Et on esquive pour aller de l'autre côté. Ouh, c'est bon ça. Hop, terminé. Je vais faire attention à mes balles, j'en ai plus énormément. Putain, c'est bien ce qu'on a récupéré là. On est jamais passé par là? C'est étonnant. J'ai l'impression qu'on est déjà passé plusieurs fois par là, mais ouais, non, peut-être que des objets sont revenus. Du coup, est-ce que j'aurais peut-être pas meilleur temps de refaire un tour par là-bas? S'il y a des objets qui sont revenus dans le cimetière, je me demande si je devrais pas... Je sais pas trop hein, si je devrais pas refaire un tour dans les... Dans d'autres endroits. Parce que là on tourne. Je pense pas qu'on va trouver grand chose ici à part peut-être des monstres. J'entends pas de radio, ça me va. Je reviens là par pure curiosité. Hein. Je crois pas l'avoir déjà fait. Je me demande si on peut entrer de nouveau dans le commissariat. Oh putain, mais j'ai bien fait de revenir là. Attendez, wait. Oui, non, mais je vais tout réexplorer maintenant. Je pense que ça va être un petit peu la dernière vidéo de cette session de jeu, ça va être exploration. Ok, je peux pas re-rentrer dans le commissariat, pas par la porte de devant en tout cas. Putain, le framerate il est aux fraises des fois, c'est impressionnant.
J'entends un smog. Par là. Ah oui, il est là. Viens par ici. Ok. Alors que je regarde un petit peu où on est. D'accord. On va voir par ici. Là, normalement, il ne devrait rien y avoir. Là, non, il n'y a rien. Ok. Je vais tenter de retourner chez Curtis, tiens. Parce que pourquoi pas. Bon, lui, je l'évite. On s'en fout. Il va pas bien m'emmerder. Non, là, il n'y a rien. Ok. On va dans la brume. Il y en a un autre. Ah, alors lui par contre je vais pas avoir le choix. Il va falloir que je le défonce. Tant que l'autre me rattrape pas, tout devrait bien aller. Alors s'ils me remettent des monstres là, c'est que potentiellement il y a des trucs à... Oh putain, mais j'ai tellement bien fait de venir là! What? Oh mon dieu, je crois que j'avais jamais vu ça. C'est verrouillé. Ah non, mais j'ai vraiment... J'ai grave bien fait de venir là. C'est peut-être pas français ce que je dis, mais... Oh, je suis tellement content. Et attendez, wait. Je crois que je l'ai pas vu. Un dessin bien pixelisé, encore une fois, avec un monstre qui a l'air de bouffer des enfants. Wait. Putain, c'est vraiment la foire à... La foire à tout ce qu'on veut, là. Bah tant mieux. Tant mieux, j'ai vraiment bien fait de revenir là. Ça se trouve, je le faisais à l'époque, ça, mais je me souviens plus. Je me souviens plus du tout. Je vous dis, ça fait très longtemps que j'ai pas joué au jeu. La dernière fois que j'ai joué au... que je me suis refait quasiment tous les Silent Hill, à l'exception de Silent Hill 4, que j'avais eu la flemme de refaire, c'était avant la sortie de Silent Hill Downpour. Enfin, même avant d'ailleurs. Enfin, je vous dis ça, mais la dernière sauvegarde date de 2009, donc c'est même bien avant, je crois. Parce que Downpour est sorti en 2012. Donc ouais, non, ça date. Hein. Ça date vraiment. Ok, je vais faire un petit tour là-haut. Ah bah putain, la vache! Non, par contre, moi, ce que je veux, c'est du soin, parce qu'il n'y a pas de limite sur le nombre qu'on peut porter. Donc je vais scruter un petit peu, là. Voir si je trouve pas des trucs. Je pense que non. Je pense qu'on n'aura pas grand chose d'autre là. On a fait tout le tour. Et on n'a rien vu de neuf. Bon. Et ma direction... Direction notre destin, par ici.
Putain, il y en a encore un autre. Sérieux? Putain, je l'ai encore loupé, mais c'est ouf ça, vas-y. Normalement, deux balles, c'est suffisant pour les défoncer, eux. Bon, je descends là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à y voir. C'est juste au cas où, hein, vu qu'ils ont l'air de vouloir faire repopper des objets un peu à droite à gauche. Moi, je suis le premier à vie, hein. Même s'il faut gaspiller quelques balles. Si ça peut me permettre d'avoir du soin, je suis pas contre du tout. Ah merde, attendez. Wait. Par où on repart? Non, par là, ok. Oui, bien sûr, oui, j'avais pas vu le trou. Je vérifie, hein, parce que je vérifie partout. Je préfère perdre du temps à faire ça plutôt que de potentiellement louper des trucs qui pourraient m'être bien utiles. Ah si, attendez, il y a le trou. Mais de toute façon, je vais pas pouvoir passer là. Ouais, donc faut que je passe là. On va arriver à la sauvegarde là dans pas longtemps. Putain, cette force de tourner les caméras, ça me donne la nausée. Je sais pas vous. Bon. Eh bah tiens, pistolet aux manches chromées. Je ne reconnais pas ce nom, d'accord. Très bien. Je m'attendais pas à ce que les armes se remplacent aussi vite. Je pensais que c'était un petit peu plus dilué dans le jeu. Se regarder là-dessus, hop. Je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. Enfin, pas tarder, on a encore quelques minutes, hein, mais... histoire, juste le temps de sortir du cimetière, en fait, je pense, là. Bon, je vais pas fouiller plus dans les... dans l'espèce de tombe, là, dans les cryptes, là. Dans les caveaux. Qu'il n'y a rien. Par contre, je peux pas redescendre. Je pense pas. Hein. De toute façon, je pense pas avoir envie d'y... Ah si, je peux redescendre. Ah mais c'est par là qu'il faut que j'aille en plus. Donc je vais d'abord aller au mausolée Bartlett si je peux. Non, je ne peux pas. D'accord, c'est refermé. De nouveau. Ah merde, niquez-vous. Putain, alors par contre... Non mais, stop les gars, wow. Non mais stop là, oh putain, mais j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit là. Putain. Mais bordel, j'esquive tout là, vas-y. Putain. Qu'est-ce que tu branles? Qu'est-ce qu'il fait?
Oh mais il se fout de ma gueule là, sérieux hein. Oh j'en ai marre là gros. Voilà. Putain. J'étais content des soins que j'avais et tout. Bref. J'aurais juste dû courir comme un dératé et... Et aller je sais pas où là. Plutôt que de me faire chier à essayer de les buter. Bon ça on s'en fout, on est déjà venu là. Ça s'arrête jamais, bordel. Allez. Allez. Pas que ça a branlé, là. Est-ce qu'il y avait une sauvegarde dans la maison? Je ne sais plus. Je vais me rééquiper du couteau, on va en avoir besoin. C'est vrai qu'il y avait le sous-sol là. Là, il y avait une pièce attenante. Enfin, qui. Je sais plus. Est-ce qu'on pouvait accéder à l'autre. Dans l'autre partie de la maison. Alors, attendez 2 secondes parce que. Ça se pète. Oui! Je pense, hein. Oui, parfait. Je sais plus ce qu'il y avait par là. C'est une chambre. Ok. Et là, du coup, on a ouvert sur... Oh! Oh! Oui! Je dis oui! Ouais, mais d'accord, ok. Je pensais que ça ouvrirait un raccourci quelque part, mais... Alors par contre, oui, on sent bien qu'il n'y a plus grand monde dans cette maison depuis longtemps. Hein. Ah ouais, en fait, ça n'a vraiment... Ah non, attendez, là je remarque un détail dont je ne vais pas vous faire part, mais oui, ça n'a vraiment pas bougé depuis très longtemps. Voilà, il va me falloir une sauvegarde. Je sais plus où il y en a une, je crois qu'il n'y en a pas dans la maison des Shepherds. Bon, tant pis, on jouera jusqu'à ce que j'en croise une. Là, il faudrait que je ressorte et que j'aille jusqu'à... Attendez, il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas de monstre là, hein? Non. Donc nous, faut qu'on aille par là. Faire un petit tour dans la maison avant. Je pense qu'il n'y a aucun intérêt, mais... Ah, mais elle est toujours là, elle. Ok. Qu'est-ce qu'elle a de neuf à nous dire? Ok, elle n'a pas bougé.
très bien. Je regarde s'il n'y a pas d'autres trucs à regarder par là. Des trucs qu'on aurait loupés ou je sais pas. Peut-être des portes barricadées. J'ai pas fait de remarque là-dessus, non? Il y avait une photo de moi ici, où est-elle passée? Hein. Ok. Non, je nie le combat, non, c'est pas là. Ni l'interrupteur, ni le drapeau que je voulais voir. Ok, donc là c'est verrouillé, il faut une clé. Ok, bon ben, pas le choix. Et là? Non, c'est fermé, fermé, complet. Donc, eh ben, on redescend. Le problème, c'est que j'ai pas envie de continuer parce que c'est l'endroit idéal pour s'arrêter, en fait. C'est un endroit calme. Le fusil d'acier. Tac, qui remplace l'ancien fusil. C'est un gros, bon gros fusil militaire, ça. Hein. Et là, la clé du grenier. Qu'est-ce qu'on va y trouver au grenier? D'ailleurs, si j'y pense, mais est-ce qu'il nous dit quelque chose dans ce journal-là? Ok, il n'y a pas les... Où est Steven, maman? Oui, attendez, j'avais pas vu qu'il y avait des... Wait, j'avais pas vu qu'il y avait des descriptions. Description pour les photos, on regardera ça... Bon, on va regarder ça tout de suite, en fait. Hein. De toute façon, au point où on en est. Où est Steven, maman? Il ne peut pas jouer, et ça me rend triste. Tu ne dois pas demander, mon chéri, Steven a été méchant. Billy aussi, et Sally? Est-ce qu'ils m'ont fait quelque chose de mal? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose de mal? J'ai bien peur que oui, mon enfant. Tous tes amis sont partis. Faites attention à celui qui les a enlevés. Il y a plusieurs noms. Le croque-mitaine, l'ombre, mais ce sont tous la même chose. Souviens-toi d'être sage, car il ne pardonne pas les péchés. Il manie une lame rouillée et irrégulière pour couper tes entrailles. Ah d'accord, bon bah ça c'est l'espèce de pyramide head qu'on a vu. Et s'ils prennent ce qui ne leur appartient pas sans aucun... Attendez. Et s'ils prennent ce qui ne leur appartient pas sans aucun doute, il étirera leur peau jusqu'à ce qu'elle se casse et que leur sang se vide. Et s'ils prennent ce qui ne leur appartient pas, il étirera leur peau. Souviens-toi d'être sage car il ne pardonne pas les péchés. Il manie une lame rouillée et régulière pour couper tes entrailles. Putain, ça c'est deux détails dont je vais pas. Enfin, que j'ai quand même capté, mais je vais pas vous en faire part non plus. Les brutes et leur colère rancunière seront tourmentées également. Bientôt, il les frappera où ils se tiennent et les traînera vers l'enfer. Ok. Ce lapin semble se débattre dans l'eau. Un lapin en feu. Ce lapin semble catatonique. Une famille de lapins. Trois lapins ensanglantés. Wait! Intéressant, très intéressant. Putain, j'avais jamais vu ça. Grosse araignée, Scarlet Fitch, ok. Bon, ça c'est les photos, ok. Très bien. Bon, c'est bon, j'ai vu tout ce que je voulais voir. Direction le grenier. La rhum est toujours là-bas. Oui, ça n'a pas bougé. Et direction le grenier, donc ici.
Alors là, il y a une porte derrière cette armoire. On va s'en occuper. Je vais d'abord fouiller un peu le grenier. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à y voir. Il est vraiment vide, plutôt leur grenier, je trouve. Hein. Je m'attendais normalement, c'est les greniers, c'est blindé de merde. Mais là, il n'y a rien du tout. Et c'est moi, qu'est-ce que je fais? Something very important I want to show you. Okay. Do you know what this is? This belonged to your grandpa and his father too. And now we want you to have it. I know it doesn't look like much, but this is the most important thing I could ever give to you. Is it worth $1 million? Much more than that. This is a symbol of our family's past and our future. Can I wear it? Yes. Joshua, you are never to show anybody this ring. Not even Alex. But I want to show Alex. Do you remember when I told you sometimes you must do things and not ask why? Well, this is one of those times. Yes, sir! That's my boy. Certificat de libération ou de décharge du service actif. Nom, Shepherd Adam. Grade colonel, la catégorie de salaire 6, ou O6 plutôt. Date de naissance, 18 avril 1954. Lieu d'entrée en service actif, Fort Benning. Dernière mission de service et commandement majeur, 18e corps d'aéroporté. Poste de séparation, Fort Bragg. Décoration, médaille, insigne et récompense de campagne autorisée. Récompense de bonne conduite, Purple Heart, Silver Star. Formation militaire, entraînement en saut en parachute basique, cours d'attaque aérienne, commandement militaire américain. Et école supérieure de guerre, type de séparation, libération du service actif. Nature du service honorable, raison narrative de séparation, retraite. Je certifie par la présente que le document ci-joint est un rapport exact et précis à ma connaissance, signé Adam J. Shepherd. Avec le drapeau des fondateurs. Putain, magnifique, j'adore ça. Alors, je sens que ça a pété les couilles là, bordel. J'ai autre chose à foutre que ça là. J'ai envie de revenir en arrière pour sauvegarder. Putain, je crois que c'est ce que je vais faire en vrai. Hein. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais revenir dans le cimetière pour sauvegarder. Attendez, il est où le. Où est la sauvegarde? Putain, faut qu'on retourne dans le cimetière. Il est où, bordel de merde? Là, il faut qu'on retourne là, dans les cryptes, machin, tout ça, qu'on refasse tout là, puis qu'on revienne dans les. Ah putain, fait chier, hein. Bon, allez, on continue. Ouais, alors là, par contre. Ah bah en fait c'est bon, c'est pas compliqué. Ah bah voilà, ça y est. Oh mon Dieu, c'est une lettre de papa.
J'ai échoué, et ils le savent. Ils m'en veulent, ils ont raison. J'ai juré de protéger cette ville, mais je ne le peux pas. Les rues s'effondrent sous nos yeux, la malédiction que nous avons toujours crainte est tombée sur nous. Pire encore, l'ordre est revenu, kidnappant et tuant en toute impunité, lavant le cerveau de ceux qu'ils prennent pour reconstruire leurs troupes. Qu'ils veuillent nous punir pour l'exode de nos ancêtres, ou qu'ils veuillent simplement insuffler une nouvelle vie à de vieilles méthodes, je l'ignore. Mais ils ont pris notre peuple. Il ne reste plus qu'à l'affronter, qu'à affronter la source de ce mal, de le combattre et de prier que l'espoir puisse être restauré. Ma seule consolation est que je mourrai là où tout a commencé. Il y a quelque chose d'autre ici. On dirait une carte de Silent Hill. Y serait-il allé? Je devrais demander à ma mère si elle est au courant de ça. Ah là, il y a énormément d'informations dans cette lettre là. Beaucoup, beaucoup de choses. Start telling me everything you know about this. I don't know what that is. Stop lying. I'm tired of it. I know all about Silent Hill. You don't know anything about Silent Hill. I know Dad went there. He went to go fight something. Did he go to get Joshua? Is that where Josh is? God damn it, tell me! Alex, I'm so sorry. Stop pretending you care about me! Start telling me what's going on! Josh was the only one you ever cared about. And I can help him if you tell me the truth. J'aurais aimé m'arrêter avant ce point-là, mais putain, j'aimerais bien pouvoir sauvegarder là, hein, un moment. Ce serait cool. Ce serait vraiment cool. Oh putain! Voilà. J'ai pas pris un dégât, c'est cool. Putain, il me faut vraiment une sauvegarde là. Sauvegarde, sauvegarde. Y'a pas une sauvegarde quelque part là. Il m'en faut une à tout prix là, putain. Il y en a une là. Oh, mais c'est parfait. Ok.
J'aurais vraiment aimé m'arrêter avant ça, en fait. Hein. Avant qu'on entre dans le grenier. Donc là, on va rien lire, on va rien prendre, on va rien faire. On va juste sauvegarder et on va s'arrêter là. Donc il s'est passé beaucoup de choses. On a pris des... quelques petits trucs sur les membres de l'ordre, hein, vous avez pu voir. Mais je pense qu'on en... j'allais dire, on discutera peut-être la prochaine fois, mais... autant en parler rapidement maintenant. On voit que l'ordre a quelque chose à voir avec... avec tout ça. Dans la lettre, ça parlait d'ancêtres. De protéger la ville, de peut-être de... un moyen de punir l'exode de nos ancêtres, hein, c'est ce qui était marqué dans la... dans le... dans la lettre. Et Papa Shepard, du coup, est parti à Silent Hill pour faire quelque chose. Quoi? Pour le moment, on ne sait pas. Pour combattre quelque chose, visiblement. Mais ce qui se passe, c'est que, d'après sa lettre, il a échoué à faire quelque chose, et une malédiction s'est abattue sur la ville, coupant les routes, et j'imagine provoquant potentiellement une invasion de monstres, sortie d'on ne sait pas trop où. Et... ça a également donné lieu à du coup un enlèvement massif de la part de l'ordre, hein, des gens de la ville. Hein. C'est-à-dire que voilà, toutes les affiches qu'elle, quand on l'a rencontrée, collait sur le mur, et tous ces enfants qui disparaissent et tous les gens qui disparaissent, c'est tout simplement l'ordre qui les enlève. Voilà, donc je vais pas en dire plus pour le moment. Je vais vous laisser mariner un petit peu. Allez à vos hypothèses, en tout cas pour ceux qui connaissent pas le jeu. Et puis, alors déjà, je vous dis ça parce que je me souviens plus exactement de ce qui se passe, donc le fait d'attendre, ça me permettra peut-être de me rafraîchir la mémoire et de mieux comprendre ce qui se passe dans le jeu. Mais c'est surtout aussi, voilà, j'ai pas envie de vous gâcher le plaisir de... en tout cas, du peu que je sais, j'ai pas envie de vous gâcher le plaisir de la découverte. Donc on va s'arrêter là, on prendra ce truc-là la prochaine fois, je vais faire une sauvegarde rapidos. Bon, la deuxième moitié de cette session est quand même... bien plus agréable que la première moitié. Parce que la première moitié, pff, oh là là, quelle galère, plus de soins. Enfin, je vous jure, hein, ce jeu est pire que dans mes souvenirs. Dans mes souvenirs, il n'était pas aussi dégueulasse, en fait. Hein. Il n'était pas aussi dégueulasse. Là, je remarque, en fait, j'ai vraiment du mal à rentrer dans le jeu, en fait. Hein. L'ambiance me happe pas vraiment. Même dans la descente aux enfers, qui était mon niveau préféré de quand j'avais joué au jeu la première fois, parce que c'est un niveau qui est très déstructuré, très désordonné, il s'y passe... enfin, c'est un niveau qui est très bizarre, en fait, et c'est pour ça que je l'aimais bien. Et puis avec la dernière séquence, avec dans le couloir, avec les lumières qui s'éteignent, jusqu'à ce qu'on arrive devant la porte où il y a le Dr. Fitch, avec la lumière qui se rallume, moi j'ai trouvé cette séquence absolument super, et avec le boss Scarlet derrière qui est absolument terrifiant, tout ça fait que, en fait, j'avais super aimé, en fait, tout ce niveau de la descente aux enfers, donc dès le moment où on rentre chez le Dr. Fitch, jusqu'à ce qu'on combatte le boss. Je trouvais ça super, mais là, j'avoue que je sais pas, le niveau fait un peu vide, en fait, ici. Il passe vraiment pas grand-chose, il y a plutôt une bonne ambiance, mais ça manque vraiment de quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui fait que ce jeu, j'accroche pas. À l'époque, j'accrochais, mais là, maintenant, je le trouve moins bien maintenant qu'à l'époque. C'est ultra bizarre. Hein. C'est marrant parce que tous les Silent Hill, il y a eu l'effet inverse quasiment pour tous les Silent Hill. Ok, que j'ai fait sur la chaîne, alors peut-être à l'exception de Downpour, qui a eu peut-être un peu le même effet maintenant que j'y pense. Ouais, je sais pas, c'est très bizarre. Moi, je suis pas super fan au final de ce Silent Hill. Il y a vraiment des trucs qui vont pas. Même les décors, regardez-moi ça, c'est dégueulasse! Putain, on dirait que ça a été colorié sur Paint, quoi. Il y a vraiment plein... je sais pas. Il y a plein de trucs dans ce jeu qui vont pas... il est pas mauvais, pour autant, hein. Loin de là, hein. Loin de là. C'est vrai que je me concentre beaucoup sur le négatif, parce que le jeu me déçoit, c'est pour ça. Mais... le jeu est plutôt cool, hein. Le système de combat est intéressant, même s'il est ultra mal branlé, enfin mal équilibré, je trouve. Même le jeu, d'ailleurs, dans son ensemble, est mal équilibré, hein, entre ce qu'on trouve, donc les ressources qu'on trouve, que ce soit les boissons, les munitions, et puis la disposition des points de sauvegarde, hein, qui est un peu mal foutu. Le jeu est super... en fait, le jeu a quelques idées intéressantes, mais il a beaucoup trop de défauts pour que... je ne ressente autre chose que de la déception, en tout cas, pour le moment. Mais quoi qu'il en soit, c'était quand même plutôt plaisant, hein. Je dois bien avouer, de se remettre dessus. La deuxième moitié de session, comme je vous l'ai dit, était bien meilleure. J'ai pu trouver quelques petits trucs. J'ai eu quelques moments de chance dans mes esquives, et puis peut-être quelques moments de skill également. J'ai plutôt bien géré le boss Scarlet. Donc au final, voilà, je m'en sors pas trop mal, et je pense qu'on commence, on pourra commencer la... alors bon, là, j'ai bouffé quelques balles de flingue, mais je pense qu'on pourra commencer la session suivante sur de bonnes bases. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette nouvelle session sur Silent Hill Homecoming. Je vous donne rendez-vous
bientôt pour la prochaine, qui peut-être sera la dernière, j'en suis pas sûr. À voir. Qui vivra verra. Et puis, ma foi, d'ici là, bien portez-vous bien. Allez, salut !